Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La vie économique doit reprendre impérativement et rapidement. Cet après-midi, devant le Sénat, le Premier ministre a évoqué cette fois-ci avec force les risques d'un confinement qui s'éternise. Le Covid est toxique, a-t-il dit, mais le décrochage économique, social, scolaire l'est tout autant. Le message est clair et s'adresse à tous ceux qui disent non, qui remettent en cause la date du 11 mai, syndicats de salariés, de professeurs, de parents d'élèves, mais aussi maires, responsables d'entreprises de transport public. Une fronde est venue ce week-end, notamment des élus locaux inquiets d'engager leurs responsabilités en appliquant des consignes de l'État qu'ils jugent parfois trop floues ou impossibles à tenir dans les délais. Alors, Édouard Philippe peut-il réussir le déconfinement sans l'adhésion de tous? Que craignent ces maires qui ne se disent pas prêts à rouvrir les écoles le 11 mai? Est-ce que la date du 11 mai est finalement acquise? 11 mai, ceux qui n'y croient pas, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Astrid de Villene, vous êtes chef de service politique au Huffington Post. On peut retrouver votre dernier article sur Martine Vonner. Il est intitulé « Elle doit nous donner ». D'ailleurs, le titre, vous pouvez me le donner maintenant? Oui, c'est la frondeuse de La République En Marche, c'est la seule qui a voté contre le plan de déconfinement le 28 avril. Et on va y revenir parce que ça fait une dissonance au sein de la majorité. Emmanuelle Soufi, vous êtes journaliste au service politique du journal du dimanche, en charge notamment des questions sociales dans le JDD d'hier. On pouvait notamment retrouver votre interview de Philippe Sorel, il est maire de Montpellier et lui le dit clairement, il ne veut pas rouvrir les écoles le 11 mai. Pascal Perrineau est avec nous aujourd'hui, vous êtes politologue, vous enseignez à Sciences Po Paris. Citons votre dernier livre, Le Grand Écart, chronique d'une démocratie fragmentée aux éditions Plomb. Enfin, Claude Veil, vous êtes journaliste, éditorialiste politique, notamment pour Nice Matin. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Bonsoir. Je le disais en débutant cette émission, le ton a quand même sérieusement changé cet après-midi. On se souvient des propos du Premier ministre la semaine dernière à l'Assemblée nationale, très prudent, en expliquant qu'il fallait faire attention à la deuxième vague, qu'il fallait rester confiné. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui dit qu'il y a une autre urgence qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'urgence économique. Oui, il l'a dit en des termes très clairs et assez préoccupé. On l'a senti même dans le ton par rapport à la semaine dernière. Il a dit en gros que le pays doit reprendre une activité et ça passe évidemment par les écoles. On sent bien, en revanche, que les écoles, avec toute cette fronde qu'on voit des directeurs d'école, des maires, des élus locaux, que c'est ça qui va être le plus difficile et que pour l'instant, il y a un refus quasi, peut-être pas généralisé. Il y a des maires qui veulent bien mettre les enfants à l'école, mais ça pose énormément de questions. Et on sent qu'Édouard Philippe, il est face à finalement encore plus de questions que les réponses qu'il peut essayer d'apporter aujourd'hui au Sénat. Pascal Perrineau, sur ce changement de ton, alors c'est compliqué de chaque jour donner le sentiment qu'on passe à la moulinette la parole publique, parce que c'est vrai qu'il y a eu Olivier le ministre Véran dans le Parisien ce week-end qui disait qu'il faut faire attention parce que la date du 11 mai n'est pas acquise, il a le sentiment de nous mettre la pression à tous. Aujourd'hui, on a le Premier ministre qui dit « Attention, il y a une autre urgence, c'est l'urgence économique ». Il faut marcher, il l'a dit, sur une ligne de crête. Oui, et la ligne de crête n'est pas facile à tenir de manière régulière et constante. Il y a quelque chose qui est absolument frappant aussi, c'est la volonté, certainement, du Premier ministre d'accompagner un mouvement qu'on sent dans l'opinion. L'opinion, jusqu'à maintenant, à juste titre, était avant tout préoccupée de la dimension sanitaire de la crise. Or, on voit monter régulièrement dans toutes les dernières enquêtes une préoccupation maintenant extrêmement forte sur la dimension économique et sociale, tout simplement parce que les gens se disent « le 11 mai, c'est le début d'un processus de desserrement du confinement, de retour même lent, mais de retour au travail ». Et là, nous allons rencontrer, eh bien oui, peut-être quelque chose d'encore plus redoutable que la crise sanitaire, c'est-à-dire une crise économique et sociale dans laquelle le pays va s'enfoncer et s'enfoncer durablement. Et on sentait que le Premier ministre, devant le Sénat, avait entendu ce message. Et puis, il y a un deuxième élément, je crois, qui justifie peut-être l'inquiétude de nos gouvernants, c'est que quand on regarde ce qui se passe, particulièrement en Europe, mais au-delà dans le monde, toutes les enquêtes montrent que les Français sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis de la capacité du gouvernement à maîtriser pas simplement la dimension sanitaire, mais aussi la dimension économique et sociale, et que là, le pouvoir politique est beaucoup moins placé, bien moins placé sur la ligne de départ que la plupart des autres pouvoirs politiques,
à commencer par des pouvoirs politiques qui pourtant ont été très contestés, comme par exemple le pouvoir politique en Italie. C'est une spécificité française, Pascal Perrineau, parce que oui. Les exécutifs sont plutôt renforcés lorsqu'ils sont aux premières lignes, forcément, oui. Ils le sont dans la gestion de la crise. Oui, on est frappé, une enquête va sortir qui a été faite pour le Centre de recherche politique de Sciences Po et qui compare, par exemple, à ce qui se passe en Suède, en Nouvelle-Zélande, vous voyez, loin de l'Europe, à ce qui se passe en Italie, à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et la chose la plus frappante, c'est de voir comment dans tous ces pays, la popularité, le jugement sur l'efficacité du pouvoir dépasse les 50% et même parfois va jusqu'à 70%, 80%. En France, on est à 38%. Donc on voit bien, oui, il y a une spécificité franco-française, un pessimisme des Français que l'on connaît bien depuis de longues décennies. Emmanuel Soufi, sur le changement de ton du Premier ministre et en réalité cet exercice quasi impossible de communication quotidienne sur un virus dont on ne connaît encore pas grand-chose et sur une situation de déconfinement où il faut apprendre sur le tas chaque jour. Tout le monde navigue à vue et je pense que de voir un pouvoir qui lui-même navigue aussi à vue, c'est-à-dire beaucoup de questions et des réponses qui changent d'un jour sur l'autre. Hein. On le voit sur l'école quand vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui dit le 1er mai, toutes les écoles vont réouvrir et puis que quelques jours plus tard, on se rend compte que non, ça va être un peu en fonction du choix des parents, du choix des élus, du choix des enseignants de venir ou pas, ou de faire fonctionner leur droit de retrait. Tout ça est extrêmement aléatoire et il y a une espèce aussi, je pense, d'articulation de rôle entre... un Premier ministre qui est assez, je ne vais pas dire père fouettard, mais qui dit attention, voilà, tout ça dépend aussi beaucoup de votre bon vouloir, de la responsabilité civile, individuelle, citoyenne. Et puis en face, vous avez le président Macron qui, lui, parle de bonne volonté, qui est un petit peu moins autoritaire, en fait, dans son ton. Enfin, c'est un avis un peu personnel. Voilà. Claude Veil. Oui, vous venez de dire que le gouvernement navigue à vue, c'est l'évidence. Je dirais, il navigue à vue, évidemment. Et je dirais même, il navigue à vue, heureusement. Parce qu'on ne peut pas se reporter au manuel pour retrouver la page que faire en cas de Covid-19. Le manuel n'existe pas et l'histoire s'écrit au jour le jour dans un contexte d'incertitude permanente, d'incertitude scientifique, d'incertitude économique, d'incertitude sur l'évolution de la maladie. On apprend à peu près toutes les heures. Comme j'ai la chance d'être confiné avec des moyens de m'informer, je lis énormément. C'est fascinant la vitesse à laquelle avance la recherche scientifique qui, quelquefois, d'un jour sur l'autre, efface ce qu'on croyait vrai la veille. Donc le gouvernement, évidemment, s'adapte dans un contexte. Vous dites qu'il a changé de ton. Oui, il a été un peu plus dramatique aujourd'hui dans le Sénat. Mais en fait, la semaine dernière, il avait employé un mot très, très fort. Il avait parlé de la menace d'écroulement de l'économie. Et je suis tout à fait d'accord avec Pascal pour dire que ce sentiment-là est en train de monter dans l'opinion. C'est assez normal. Quand quelqu'un est très malade, ce n'est pas la peine de lui parler d'argent, il veut guérir. Je rappelle qu'au moment où nous sommes entrés dans le confinement, on était sur un rythme d'à peu près 225 000 contaminations jour. L'objectif, d'ici la fin de la semaine, c'est de tomber entre 1500 et 3000, le fameux indicateur magique qui nous permettrait de basculer dans le déconfinement. Donc on voit que la décrue est considérable et immédiatement, évidemment, d'autres préoccupations reviennent concurrencer l'angoisse sanitaire. Et la question je ne veux pas vous saouler de chiffres, mais pour résumer l'économie, il y a un chiffre qui est quand même extraordinairement frappant. C'est qu'à l'heure où nous parlons, si vous additionnez tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, survivent ou sont payés par la solidarité nationale, que ce soit par les fonctionnaires, par l'État, les retraités comme votre serviteur, par les caisses de retraite, que ce soit les chômeurs partiels par l'État directement, il y a aujourd'hui à peu près 35 millions de Français. 35 millions de Français, c'est-à-dire plus de la moitié, 60% à peu près, des adultes. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. On voit bien qu'on n'a pas le choix, qu'il faut relancer la machine. Et effectivement, la ligne de crête, c'est ça. C'est que gouverner, c'est choisir toujours. Mais là, c'est gouverner, arbitrer entre deux préoccupations majeures, en sachant qu'on n'a pas de droit à l'erreur, que chaque décision, la moindre décision que vous prenez, peut coûter des milliards ou peut coûter des milliers de vies. Et il faut arbitrer, c'est-à-dire faire des paris, car ce scénario-là, on ne l'a jamais vécu, arbitrer entre les contraintes, les nécessités économiques et les contraintes sanitaires. C'est un job absolument terrible auquel aucun gouvernement n'a jamais été
préparé. On n'apprend pas ça à l'ENA, on n'apprend ça dans aucune école des partis. Et donc, le gouvernement, en effet, navigue. On espère juste qu'il ne va pas nous mettre à la côte ou sur les récifs. Mais pour reprendre cette image de la ligne de crête, il le dit clairement hein, cet après-midi, Édouard Philippe, il dit on est sur une ligne de crête et de chaque côté, il y a un précipice. Donc effectivement, il faut naviguer à vue, comme vous l'avez dit les uns les autres. Mais en tout cas, oui, Claude Veil. Un des mérites de Philippe, ça m'a frappé beaucoup, parce que les hommes politiques en France sont toujours très, très rhétoriques et très péremptoires. On a toujours l'impression qu'ils détiennent la vérité. C'est que depuis le début de la crise, il a toujours dit « je sais ce que je sais, je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Un discours d'humilité pour le Premier ministre, selon Claude Veil. En tout cas, il n'a aimé ni la forme, ni le fond. Cet après-midi, devant les sénateurs, le Premier ministre a recadré assez vertement, quand même, hein, les responsables d'entreprises de transport public, SNCF et RATP notamment, qui, dans une lettre, ont expliqué ne pas être en mesure, en réalité, de garantir la sécurité des voyageurs le 11 mai. Ce week-end, des maires avaient aussi demandé, dans une tribune, de repousser la date de déconfinement. Édouard Philippe a été clair, la reprise économique est aussi devenue une urgence. Pierre Mélabé-Landau avec Juliette Perrault et Arnaud Fora. Après un week-end de polémique, c'est un Édouard Philippe visiblement agacé qui s'est présenté devant le Sénat. Dimanche, c'est d'abord par la presse que j'ai pris connaissance d'une lettre adressée au Premier ministre par des responsables d'entreprises de transport, publiques pour beaucoup d'ailleurs, exprimant leur crainte de ne pas savoir organiser les services publics dont ils ont la charge. Je ne doute pas qu'il sache y parvenir, animé par cet esprit de dévouement au bien public qui permet à tant de nos concitoyens de se surpasser dans leurs tâches depuis l'arrivée du virus sur notre sol. Le sarcasme face à la fronde. En l'occurrence, une lettre de l'Union des transports publics, dont la RATP, la SNCF, Transdev ou encore Keolis, diffusée hier. Elle interpelle le Premier ministre sur la question de la distanciation sociale dans les transports à la date du 11 mai. Après plusieurs jours de travail et de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, il apparaît que les transporteurs ne disposent pas aujourd'hui des moyens humains et des matériels de nature à satisfaire à une telle obligation. Les transporteurs publics demandent des effectifs policiers pour assurer le bon respect des consignes, comme si dans l'état actuel des choses, la France n'était pas prête au déconfinement. C'est également ce que prétendent une partie des maires. 316 d'entre eux, des élus d'Île-de-France, qui ont publié une tribune hier. Ils fustigent la réouverture des écoles qui leur semble trop rapide. Le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, souligne aussi un manque de concertation qui le met en danger. Ça fait peser sur les maires une responsabilité. Si ça ne se passe pas bien, si vous avez des nouvelles contaminations, parce que sur le risque sanitaire, on n'a pas de garantie, eh bien effectivement, ça peut nous retomber dessus, y compris d'un point de vue pénal. Là-dessus, ce qu'on demande, c'est d'être couvert, c'est-à-dire que la décision, elle soit prise de façon collégiale, avec le représentant de l'État dans le Val d'Oise, avec le préfet, pour ce qui nous concerne ici, et de faire en sorte que, on partage cette responsabilité, on est prêt à l'assumer si on a les garanties qu'on sera couvert par rapport à cela et qu'on sera accompagné tout au long du processus. Certains syndicats d'enseignants font eux usage de la menace en cas de maintien de la date du 11 mai. Si jamais le gouvernement s'obstine dans cette démarche, se pose la question, bien entendu, du droit de retrait. Et si ce n'est pas possible, la question d'une grève pour nous protéger et, je le répète, pour protéger en priorité nos élèves. Mais face à ces risques, le Premier ministre garde son cap. L'école reprendra le plus tôt possible. Nous devons rappeler que la fermeture des écoles est à l'évidence une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents. Celles et ceux qui n'ont pas accès à des livres, celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet, celles et ceux qui n'ont pas toujours accès à une alimentation correcte, celles et ceux qui n'ont pas un espace pour eux, pour respirer, et qui se sentent livrés à eux-mêmes, doivent pouvoir retourner à l'école. 5 mois de décrochage scolaire, pour des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement. Cet après-midi, Emmanuel Macron a également réaffirmé l'importance de lever le confinement progressivement, tout en restant prudent. Le 11 mai sera, dit-il, une nouvelle étape. Et il a annoncé une aide pour les jeunes précaires de moins de 25 ans de 200 euros. Cela concerne 800 000 jeunes, annonce cet après-midi du Premier ministre. Cette question, pourquoi la France polémique-t-elle au sujet du déconfinement alors que dans d'autres pays, cela se passe apparemment bien? C'est France dans la Sarthe. Pascal Perrineau, à votre avis, c'est un tempérament français ou c'est plus grave que ça?
Oui, il y a à la fois une culture française de contestation qui est ancienne. On ne va pas la découvrir aujourd'hui. On a fait très nombreuses émissions sur ce côté rétif des Français. Mais il y a aussi un mode de fonctionnement de l'État central en France qui est tout à fait spécifique. L'État prend des mesures très souvent sans aucune concertation avec les acteurs auxquels les mesures doivent s'appliquer. Et on voit bien qu'une partie de ces acteurs auxquels on a dit, ben voilà, le 11 mai, vous devez être prêts, eh bien, dans les écoles, dans les transports, ces acteurs disent, ben voilà, le calendrier est trop serré et nous avons besoin de plus de moyens pour être à la hauteur des charges que vous nous fixez. Le ministère de l'Éducation nationale a publié, je l'ai lu ce matin, 67 pages de préconisations pour rouvrir les écoles et en particulier l'école élémentaire. C'est absolument impressionnant. Il y a une accumulation de normes, de règlements, de réglementations tout à fait impressionnante. Et beaucoup de maires qu'on a mis en responsabilité disent « mais on sera incapable d'être prêt le 12 et le 13 », surtout qu'ils n'ont pas été associés en amont à cela. Alors, ou bien on change les règles, ou bien on autorise, ce que semble faire le président, un peu de souplesse dans la mise en œuvre. Mais on comprend très bien, si vous voulez, que par exemple, dans les transports publics, auxquels on a demandé, par exemple, vous devez, dans le métro, vous vous rendez compte, dans le métro, avoir un mètre et demi entre deux personnes, que les responsables du métro disent « mais dans l'état actuel des choses, nous sommes incapables d'être à la hauteur de ce défi et nous aurons besoin donc de forces de l'ordre ». Mais là, précisément, dans le cas des transports, l'État actionnaire, donc le Premier ministre aujourd'hui, dit, en gros, je caricature, vous êtes bien gentil, mais vous êtes des entreprises publiques, donc en fait, vous allez faire preuve de bonne volonté, ce sont les mots qu'il a utilisés, et vous allez vous mettre en situation de rouvrir et de reprendre un service quasiment complet le 11 mai. Là, il y avait un Premier ministre agacé de voir des responsables d'entreprises publiques qui lui ont écrit... Et finalement, la lettre s'est retrouvée avant dans la presse, ça ne lui a pas plu. Là, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas les maires qui sont des élus qui montrent les dents. Moi, je lirai quand même les deux sujets parce que je pense que depuis le départ, il y a un problème de temps, enfin de façon de hiérarchiser les choses. Par exemple, quand Édouard Philippe propose ce plan de déconfinement, le 28 avril à l'Assemblée nationale, il dit « je vais dans les prochains jours concerter les partenaires sociaux et les élus locaux ». À mon avis, il aurait peut-être fallu faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord faire un grand plan de concertation, et on sait que ce gouvernement, même Emmanuel Macron, a quand même un problème avec les corps intermédiaires. C'est des gens dont il se méfie depuis le début. Les maires, ça a été très compliqué, leur relation avec le président au début du quinquennat. Ils s'étaient réconciliés. Oui, mais il y a quand même cette culture-là de l'État jacobin, et c'est français d'ailleurs, décide, et puis après tout le monde appliquera. Mais dans une situation aussi complexe que celle qu'on est en train de vivre, à mon avis, le terrain, et François Baroin, le président de l'Association des maires de France, l'a dit au président de la République et au Premier ministre, a dit « il faut que vous nous fassiez confiance, nous on va être les premiers acteurs de votre déconfinement, mais parlez-nous, il faut que vous écoutiez aussi les remontées des parents, d'élèves, des directeurs ». Et là, je crois que du coup, ce bazar quand même, hein, qu'on entend, c'est-à-dire des corps intermédiaires, des sociétés de transport public, des maires, des directeurs d'école, des Français, parce que les Français ne sont pas favorables non plus à la réouverture des écoles. On a publié, nous, un sondage, 76% des Français veulent une ouverture en septembre, comme en Italie. Donc, le fait de se mettre comme ça, dans une crise comme ça, à mon avis, il faut que le pays soit à l'unisson. Et si on commence Est-ce à possible être... Peut-être, c'est difficile de réécrire l'histoire, évidemment. C'est la question. Mais je pense qu'il y a, à mon avis, et c'est ce que disent les maires, et les maires, les 300 maires d'Île-de-France, ce ne sont pas des opposants au déconfinement. Ils sont juste en train de dire on n'est pas prêts. Je me mets juste à la place du gouvernement qui, comme le disait Claude Veil, est à la tête d'un État qui doit faire sortir d'une situation de confinement. Tout est inédit dans cette situation-là. Comment est-ce qu'à un moment donné, on entraîne le pays vers une reprise, puisqu'il nous dit, et il a des bonnes raisons de penser, le Premier ministre, que la reprise est vraiment urgente, en acceptant autant de cas particuliers que de situations dans des municipalités qui n'ont pas le même nombre d'habitants, qui n'ont pas les mêmes réalités sociales, qui ne sont pas en capacité de... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'à un moment donné, il ne fallait pas poser une date, poser un engagement vis-à-vis des Français, se dire, autant que faire se peut, on va arriver à relancer l'activité le 11? Il y a plusieurs choses. Moi, d'après les sources que j'ai eues aujourd'hui, assez bien placées à l'Assemblée nationale et au gouvernement, visiblement, le 11 mai, qui a été brandi comme un étendard par Emmanuel Macron, a été fait pour des raisons psychologiques. Et ça, on me l'a dit à plusieurs reprises.
Et c'est-à-dire psychologique. C'est-à-dire fallait donner une issue pour donner aux Français un horizon à un mois. Ce qui pose quand même la question de la petite critique qu'on entend monter, l'infantilisation des Français. Beaucoup de gens disent on est infantilisé, on ne nous dit pas la vérité. C'est la critique récurrente depuis le début de cette crise. Après, en effet, je pense qu'il faut qu'on déconfine à un moment. Ce que disent beaucoup de ministres aussi en off, c'est en septembre, ce sera pareil. Le virus sera toujours là. Donc évidemment, il faut organiser ce déconfinement. En revanche, d'avoir perdu du temps, et là je parle de l'exécutif, en disant on va faire un déconfinement jacobin, on ne veut pas déterritorialiser, ce qui a rendu assez énervé les présidents de région. Ils ont insisté pour demander une déterritorialisation. Pardon. Aujourd'hui, on se retrouve finalement à avoir des départements verts et des rouges, donc on est déterritorialisé. Donc tout ça est confus. Et si je peux juste finir sur le précipice, parce que j'aime beaucoup l'image de votre précipice sur les c'est celle d'Edouard Philippe, hein. Quand c'est lui qui se sent sur une ligne de crête. Oui, je pense qu'elle est très bonne, mais quand on est sur un précipice, on n'a pas envie d'entendre d'un côté porter un masque, n'en portez plus, ouvrez les écoles, n'allez pas à l'école. Et je crois que là, il y a un problème de plus global de communication gouvernementale. Je me souviens, moi, des attentats de 2015, pour les avoir couverts, qui étaient un peu ce genre de situation inédite qui a pris court le pays. On avait trois interlocuteurs, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de l'Intérieur. Là, il y a eu, à mon avis, un cafouillage. Peut-être aussi parce que la crise concerne tous les secteurs, mais il y a eu beaucoup de cafouillages gouvernementaux dans la communication. Claude Veil, ces entreprises de transport public qui disent non, en tout cas qui publiquement, qui prennent les Français à témoin en disant on ne sera pas capable de mettre en place des mesures sanitaires telles qu'elles nous sont demandées. Comment est-ce que vous recevez cette information-là si on a joint à ça effectivement une tribune de plus de 300 maires d'Île-de-France qui ont dit mais nous le 11 on ne sera pas prêts. Les uns et les autres, je les entends et je les comprends. Leur réaction est absolument normale. Juste, codicil, vous disiez comment ça se passe à l'étranger. Je peux vous assurer, j'ai la chance de lire quelques langues étrangères, que ça se passe exactement pareil. Je rappelle quand même que toute l'Europe, à quelques jours près, est en train de déconfiner à peu près dans le même calendrier, sauf, en effet, les scolaires qui, en Italie et en Espagne, ne rentreront qu'en septembre. Pour le reste, vous avez vu aujourd'hui que on est rentré à l'usine en Italie, et avec beaucoup de critiques, y compris sur les transports en commun, etc. Bon, pourquoi ? Parce qu'évidemment, on essaie d'inventer la roue carrée ou le zèbre sans rayures. Faire entrer des gens dans un métro à 2 mètres les uns des autres, c'est un casse-tête épouvantable. C'est plus compliqué que de faire entrer un bateau dans une bouteille. La demande ce week-end de Valérie Pécresse de renforcer les forces de l'ordre pour faire de la gestion des flux, ça me paraît une excellente idée, naturellement. Il y a des métros qui vont être pris d'assaut, il y a des précautions qui ont été prises ou qui vont être prises, par exemple, pour étaler les heures d'embauche entre 6h30 et 10h du matin, de façon à ce que le métro ne soit pas saturé entre 8h30 et 9h. Enfin bref, il y a beaucoup de mesures techniques qu'on attend encore et qui vont être prises. Ensuite, le rapport à l'État, je ne vais pas revenir dessus, Pascal l'a très bien dit, je crois que ce qui est en jeu aussi dans la colère des maires, encore une fois, que je comprends parfaitement, parce que c'est vrai qu'ils sont en première ligne, c'est vrai qu'ils risquent beaucoup, ils risquent politiquement, ils risquent pénalement, s'ils n'arrivent pas à faire appliquer les mesures de distanciation physique et que des enfants sont contaminés, ramènent la maladie chez eux, que des gens décèdent, évidemment, ils risquent d'être attaqués devant les tribunaux. Ça, on va en parler parce que le Premier ministre y est revenu longuement, Claude Veil. On va y revenir précisément. On y reviendra, mais c'est un vrai risque. Et donc, je comprends parfaitement que les maires expriment leur inquiétude, leur difficulté d'entrer dans le jeu. Mais aussi, ça renvoie à quelque chose qui est très particulier à la France, qui est ce système de décentralisation déresponsabilisante que nous avons inventé, qui fait que les collectivités locales, théoriquement, sont autonomes, mais on les assaille, on les assomme quotidiennement d'instructions, de circulaires, de règlements, etc., qui fait qu'ils sont supposés avoir les clés en main et qu'en réalité, on leur explique comment il faut mettre la clé, à quelle heure et dans quel sens il faut tourner, etc. Alors, ça, c'est un vrai mal français, c'est une vraie plaie du jacobinisme français, et ça explique ce discours des élus locaux qui est légèrement schizophrène, puisqu'ils se plaignent, si j'ai bien compris, à la fois de ce que l'État décide de tout à leur place, mais en même temps qu'on se défausse sur eux et qu'on les laisse se débrouiller pour la mise en œuvre. Ce qui est un petit peu contradictoire. Mais en réalité, on voit bien que c'est sur place que les gens se font, que les choses vont se faire, que les directeurs d'école vont adapter en fonction des locaux, en fonction de leur clientèle, en fonction des enfants, des rapports avec les parents d'élèves, etc. Que les maires, chacun va s'adapter.
Oui, je vous en prie, je vous laisse finir, Claude Bailly, allez-y. Chacun essaiera de s'adapter et de faire au mieux en sachant que ça ne sera pas parfait, qu'on n'a pas pu faire des répétitions comme dans les mariages américains, vous savez, où la veille, on fait une répétition à l'église. On va déconfiner à la volée, mais je répète quand même que ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Ne pas perdre de vue ce qu'a dit Philippe dans son premier discours, c'est un déconfinement partiel, progressif, différencié selon les situations locales et conditionnel. C'est-à-dire que si les choses se passent mal, le pouvoir peut reprendre la main et freiner le déconfinement. Donc voilà, on écrit tout le monde, tous ensemble, à 65 millions, on écrit une page blanche. Et vous avez raison de dire à 65 millions, parce que Édouard Philippe, Emmanuel Soufi, s'est adressé en réalité à chacun d'entre nous, en disant qu'il comptait démontrer une discipline collective. On parlait des maires qui reçoivent des injonctions. Les entreprises aussi ont reçu une sorte de vade-mecum pour leur expliquer qu'il faudrait 4 mètres carrés par salarié, avec des conditions extrêmement détaillées, quasiment sur le type de produit qu'il va falloir utiliser pour désinfecter les locaux. C'est-à-dire, c'est à chacun d'entre nous, quelle que soit notre place, que s'est adressé le Premier ministre. Mais la tâche, elle est titanesque, parce que ça touche tous les secteurs, tous les pans de notre vie quotidienne, collective, individuelle, à la maison, quand on fait les courses, etc. Donc ce plan déconfinement dans les bureaux, qui fait une vingtaine de pages, alors si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, parce qu'il est assez... Alors qu'est-ce qu'il raconte ? Allez-y. Assez cocasse. Non, alors je ne vais pas rentrer dans les règles de trois, quand vous avez un local qui fait 200 mètres carrés, combien de personnes, donc je peux mettre, je vous assure qu'il y a des petits calculs comme ça qui sont... Mais on ne peut pas leur reprocher non plus, c'est-à-dire que on peut pas dire à l'État d'appliquer le principe de précaution et de pas nous donner un mode d'emploi non plus. C'est-à-dire que les maires ou les chefs d'entreprise ou nous-mêmes citoyens, on peut pas dire à cet État d'être trop important, d'être trop imposant et de nous donner trop de règles, parce que si on n'avait pas de règles, ce serait la loi de la jungle. Et la loi de la jungle aujourd'hui, avec un virus qui tue, qui contamine, c'est pas possible. Donc effectivement, au bureau, la reprise, elle va se faire, elle est pour 20%, 30% des salariés qui travaillent dans des tours, c'est-à-dire des gens comme nous par exemple. On va pas tous revenir, on va continuer le télétravail, je pense, au moins jusqu'au mois de septembre. Et pour les autres, ce sera on va croiser ses collègues, il faudra nettoyer le stylo que vous avez, vous n'allez pas forcément prêter, mais bien le désinfecter si vous le faites avant, après. Donc il y aura tout un tas de choses. Ce que vous voulez dire aussi, Emmanuel Soufi, c'est que les maires ont mauvais rôle de dire, en gros, on a voulu le pouvoir pour organiser nous-mêmes le déconfinement, et dès qu'on nous le demande, considérer qu'on ne peut pas le faire. Voilà, j'entends complètement les risques qu'ils peuvent avoir d'un point de vue juridique, y compris dans la gestion avec les parents, dans tous ces masques qu'ils ont dû trouver eux-mêmes sans avoir des stocks fournis par l'État, avec des communes qui n'ont pas les mêmes moyens, ça, il ne faut pas oublier non plus. Mais vous avez aussi des maires qu'on entend peu, ou des parents qu'on n'entend pas, ou des enseignants qu'on n'entend pas non plus, qui sont pour le retour à l'école, Le Premier ministre parle de « attention, on a un risque économique, on a un risque de décrochage social et éducatif ». Il est réel. Tous les ans, retardement. Il faut se rendre compte, tous les ans, vous avez 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire. En Covid, ça va être combien ? Vous avez des jeunes dans les lycées professionnels, dans des filières professionnelles, dans les CFA, en troisième, en CAP, etc., qui ne vont plus en cours et qui ne sont même pas en capacité chez eux, dans leur logement, d'être accompagnés, d'être aidés, etc. Donc, franchement, je trouve que c'est aussi la responsabilité d'un enseignant, la responsabilité... Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas, mais la mission de service public qu'ont assuré tous ces soignants dans les EHPAD, dans les hôpitaux public, privé, on peut trouver regrettable, vous voyez, de dire que c'est pas possible. Le Premier ministre aujourd'hui, il a évoqué la mission de service public assurée par les soignants en s'adressant à l'ensemble de l'appareil d'État et en disant c'est aussi maintenant à vous de jouer. Ils ne se sont pas posé la question de savoir, c'est pas possible, c'est pas possible de transférer des lits dans des endroits où normalement il n'y a pas de réa. Ils l'ont fait. Donc vous voyez, je pense qu'il peut agacer le pouvoir, c'est de se dire on baisse les bras avant même d'avoir essayé. Moi, je pense quand même qu'ils ont en tête le premier tour des municipales, qui s'est déroulé dans des conditions un peu complexes, et que certains maires sont morts, certains assesseurs sont morts du Covid, et beaucoup de maires aujourd'hui sont très très désemparés par ce premier tour et disent « j'ai obéi au préfet, mais si c'était à refaire, je le ferais pas ». Et je pense que cette fronde qu'on voit là, sur les écoles, qu'on n'a pas vu du tout au premier tour des municipales, où tout le monde a appliqué le petit doigt sur la couture du pantalon, les consignes gouvernementales, je crois que là, ils se disent « moi, je n'ai pas envie d'avoir sur la conscience ».
des morts, des parents contaminés, des professeurs, des enseignants. Et il y a un stress. Nous, on a beaucoup interviewé de directeurs d'école. Ils nous disent, les parents sont stressés, les enseignants sont stressés, nous-mêmes, on est stressés, les maires aussi. Et je pense que ça, en effet, c'est difficile du sommet de l'État de... Quand on crée un plan national, c'est difficile d'avoir tout ça en tête et c'est normal qu'ils donnent les grandes directions. Mais je pense que sur le terrain, il y a une vraie peur aussi à cause de ce premier tour de municipal. Mmh. Premier tour qui a été aussi organisé à la demande de l'opposition qui aujourd'hui, pour certains maires d'entre eux, disent non, les écoles, nous, on ne veut pas. Pascal Perrineau, vous voulez dire un mot ? Oui, je crois qu'il faut faire tout de même attention au fait que la fronde, si tant est qu'il y ait fronde, d'ailleurs, c'est plutôt une demande d'aide aussi. La fronde vient avant tout d'entreprises, de maires qui travaillent dans les zones rouges, c'est-à-dire dans les départements rouges qui sont des départements extrêmement touchés par le coronavirus. La contestation est beaucoup plus faible dans les départements verts. En revanche, on comprend par exemple l'angoisse de la patronne de la RATP pour être à la hauteur des missions exigeantes que lui a fixées l'État. Et cette patronne demande au fond de l'aide de la part de l'État pour faire respecter certaines normes. Et puis d'autre part, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, mais je crois que l'État français est tout de même un État qui concerte très peu. Au fond, est-ce que ça aurait coûté très cher à l'État central de rencontrer, de négocier avec les associations représentatives des élus et en particulier des maires pour trouver un point d'accord? C'est-à-dire on reste tout de même dans un État centraliste qui, lorsqu'il fait de la décentralisation, fait de la décentralisation centraliste. Ce qui est une manière tout de même particulière de faire de la décentralisation. Et c'est certainement ça. Et on voit bien que le ver est dans le fruit depuis longtemps. Ce pouvoir a, depuis 2017, tout de même de grandes difficultés avec les pouvoirs locaux. Et il faut aussi s'interroger sur la nature de ces grandes difficultés qui, là, on le voyait dès l'été 2017, et on l'a vu en 2018, en 2019, et on le retrouve encore aujourd'hui. Et nous allons revenir sur ce dialogue difficile, ce que vous nous expliquez entre l'État centralisé et les élus locaux. Le déconfinement, c'est en partie eux qui vont le mettre concrètement en œuvre. Les maires doivent au quotidien répondre aux interrogations, aux angoisses, pallier parfois aux défaillances de l'État. L'organisation de la vie avec le virus est devenue la mission de Jean-Claude Clerc. Il est maire de Veules-les-Roses, c'est en Normandie. Et vous allez le voir, il se démène pour que tout soit prêt lundi prochain. Juliette Perrault et Pierre Dehorne avec Mélanie Nunes. Maintenir le marché de la ville, c'était la priorité pour le maire. Dès l'annonce du confinement, Jean-Claude Clerc a tout mis en œuvre pour sauvegarder le quotidien des habitants, mais avec des mesures beaucoup plus strictes. Alors, c'est le lavage des mains. C'est la première précaution à l'entrée du marché. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Du gel hydroalcoolique obligatoire, un sens de circulation, un marquage au sol, ou encore ces barrières pour garantir les distances entre les clients. On est assez ferme là-dessus. Il y a une certaine discipline et il y en a des élus qui tournent tout autour du marché pour orienter les gens vers les stands où ils souhaitent aller et qu'on n'ait pas trop de queue et puis surtout la distance entre personnes. Vous avez le masque, vous avez le gel hydroalcoolique. Bon, c'est bien. Tout va bien, je suis toujours un bon élève. Je pense qu'on a beaucoup moins de risques à venir ici où tout est bien fléché que dans les grandes surfaces où tout le monde est les uns sur les autres et tout le monde tripote n'importe quoi. Voilà pour vous. Autre objectif, soutenir les petits producteurs de sa région, très fragilisés par la crise. Moi, j'ai 80% de pertes sur ma vente directe. Voilà. Je faisais 6 marchés par semaine, j'en fais 2. Et les deux plus petits. Les plus gros, c'est fini, quoi. Un maire, sur tous les fronts, et qui doit faire face aux carences de l'État. Toute la journée, ces amatrices de couture qui vivent dans la commune fabriquent bénévolement ces masques en tissu. J'ai un maire qui m'a téléphoné, il m'a dit « Est-ce que tu veux des élastiques ?» J'ai dit « Oui, 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 oui. !» Surtout. C'est ce qui nous manque. J'en faisais pour moi. Et puis quand à mon téléphoné, j'ai dit, j'arrive. Non, c'est super. Ils seront ensuite distribués gratuitement aux habitants.
J'en ai commandé 1200 des masques chirurgicaux. On n'en a reçu aucun depuis un moment. Hein. On sent bien que c'est... Et ma crainte, c'est de ne pas avoir les masques pour le 11 mai, pour le déconfinement. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et c'est ça qui est important. C'est... L'État, il ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout. Pas le temps pour la polémique. La réouverture de l'école est prévue comme partout le 11 mai prochain. Alors le maire prend lui-même les choses en main. De 1 mètre entre chaque table et chaque chaise. Quoi. Je ne voudrais pas qu'un jour on vienne nous dire « mais ça y est, il y a un enfant qui a attrapé le corona ». Je crois que là, ça serait, pour nous, ça serait dur à... Parce qu'on va faire un maximum de prévention, maximum avec les audits, avec les enseignants. C'est important qu'on prévoit un maximum de choses. Mais est-ce qu'on aura tout prévu, ça ? L'avenir nous le dira. 2 mois que l'école est restée figée. Comme la plage de Veules-les-Roses. Habituellement, c'est le début de la saison touristique. Aujourd'hui, il est interdit d'accéder au front de mer et à la plage. Les restaurants et hôtels, qui d'ordinaire tournent à plein régime, ont toujours leur store baissé. Mais il y a un autre secteur en difficulté. Les pêcheurs, inquiets de ne plus vendre autant qu'avant. Moi, j'avais jamais vu la plage comme ça. C'est vraiment incroyable de voir si peu de monde. J'espère qu'ils vont desserrer les taux d'ici l'été, quoi. Il me faudrait bien pour le commerce local, pour les petits restaurants, et puis les pêcheurs comme eux. Hein. Les restaurants, c'est dramatique, quoi. Et justement, le fait que les restaurants ne travaillent pas, les ventes chez les marieurs, nous, on porte notre poisson aux marieurs, le poisson n'est pas vendu parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Pour le moment, l'État n'a pas encore décidé d'une réouverture des plages. Mais tous espèrent une reprise avant l'été pour pouvoir accueillir de nouveau des touristes sur ce littoral qui en attire chaque année des milliers. Et on voit bien que la manière dont on porte le masque est encore un sujet, parce que monsieur le maire, il faut remonter votre masque, comme on l'a dit plusieurs fois sur le plateau de C'est dans l'air, pour qu'il couvre tout le nez et la bouche. Voilà, c'est dit. Cette question qui nous est posée ce soir, l'État peut-il décider de rouvrir les écoles tout en faisant porter la responsabilité de cette réouverture sur les maires? Astrid de Villene. Alors visiblement, cette responsabilité, elle est partagée par les acteurs politiques. Et justement, le Sénat a demandé à ce que les maires soient exempté de cette responsabilité-là, puisque c'est l'État qui décide. Édouard Philippe, tout à l'heure, au Sénat, a été assez flou, à mon sens. Il n'a pas fermé la porte, il ne l'a pas ouverte non plus. Ça va être un amendement, on ne sait pas exactement qui va le rédiger. Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité pénale, ça devient un sujet très important en ce moment, que ce soit au sein du gouvernement, puisque vous savez qu'il y a de plus en plus de ministres qui sont visés par des plaintes de médecins ou de collectifs de citoyens vers la Cour de justice de la République, qui est la seule qui peut les juger s'ils sont en exercice, que beaucoup redoutent des plaintes au pénal, si jamais ils sont plus aux manettes. Enfin, c'est un sujet qui commence à devenir sérieux. De quoi ont peur les maires ? En gros, ce maire qu'on vient de voir, il a peur qu'en renvoyant les écoles, en l'occurrence, lui, il n'a pas peur. Hein. On a vu qu'il se préparait, en tout cas, pour être opérationnel le 11. Ils craignent que des parents qui ont un enfant qui va être contaminé ou qui eux-mêmes vont se retrouver contaminés, attaque le maire au pénal. Tout à fait, c'est possible. Pour mise en danger de la vie d'autrui ou d'autres, les juristes ou les avocats en ce moment sont assez mobilisés pour trouver toutes les façons de trouver des responsabilités. Et en politique, c'est normal. Moi, ça me fait penser aux sang contaminés. C'est normal de trouver des responsables. Pas coupables, mais responsables. Il y a aussi au Sénat, toujours, qui est une chambre, comme vous le savez, de droite, donc qui est d'opposition. Au Sénat, il vient de rejeter, entre parenthèses, pardon, je vous coupe, hein, le plan du gouvernement à 89 voix contre 81 et 174 abstentions. C'est le retour de la politique aussi. Là, le Sénat dit non au plan de déconfinement prévu par le gouvernement. Oui, LR, les Républicains avaient dit qu'ils s'abstiendraient. Après, comme on le sait, l'Assemblée nationale a souvent le dernier mot, donc c'est plus un vote symbolique, mais qui en dit long sur cette division du pays. On aurait pu croire que le Sénat vote ce plan de déconfinement. Bon, après, la politique aussi reprend ses droits. Il faut voir aussi, c'est comme pour les maires, les élus locaux, chacun aussi a des élections à regagner. Bon, chacun est dans son rôle. Faut pas être naïf. En revanche, il y a quelque chose d'intéressant au Sénat, c'est la commission d'enquête. Il devait y en avoir une en septembre à l'Assemblée nationale. Elle n'était pas encore totalement prévue. Là, en revanche, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, a dit qu'elle serait pour le mois de juin. Et cette commission d'enquête, elle a des pouvoirs quand même. Et donc, les ministres peuvent être auditionnés. Ils peuvent aller chercher des documents dans les ministères. Et là, sur les masques, sur les tests, sur les municipales et sur la réouverture des écoles, si elle se produit bien le 11 mai, il va y avoir des comptes qui vont être demandés politiquement. Et là, ça commence à ruer un petit peu dans les brancards au sein du gouvernement. Et chacun est en train un petit peu de se défausser, de dire non, moi,
moi je ne suis pas responsable, ce n'est pas mon ministère. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des tensions au plus haut sommet de l'État. Claude Veil, sur cette idée-là, je mets juste dans la discussion cette phrase hein, d'Edouard Philippe cet après-midi. Il dit qu'il ne faut pas aborder cette discussion sur la responsabilité de manière segmentée. Il dit un maire qui rouvre une crèche, un préfet qui autorise un marché, un chef d'entreprise qui rouvre une chaîne de production, c'est tous ces gens-là qui vont se retrouver face au sujet de la responsabilité, pas uniquement les élus de terrain. Bien entendu, l'ensemble de l'appareil administratif et politique aura, comme on dit, à rendre des comptes. Ça se fera soit par la voie pénale, soit par la voie d'une commission d'enquête, et c'est normal et c'est nécessaire dans une démocratie. Évidemment, il faudra le jour venu, et pour moi, il est actuellement trop tôt, c'est prématuré, il faudra bien le jour venu évaluer ce qui a été bien fait, mal fait, ce qui aurait dû être fait plus tôt, ce qui aurait dû être fait plus tard, les erreurs qui ont pu être commises, et le faire sans anachronisme, sans prophétie rétrospective, où personne ne renvoyant à un moment où on ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Donc toutes les décisions qui ont été prises, de toute façon on le sait depuis le premier jour, seront passées au crible de procédures soit politiques, soit de procédures pénales. En ce qui concerne les maires, je pense en effet qu'il y a probablement des dispositions à prendre de façon à ce qu'ils soient protégés juridiquement. Ça me paraît très dangereux de les exposer. On risquerait d'avoir une espèce de survalorisation du principe de précaution qui fait qu'ils ne prendraient plus aucune initiative de peur que ça se retourne contre eux. Donc que l'État assure et garantisse aux maires, non pas l'impunité ou ni même l'immunité, mais la capacité d'abord d'être défendu par l'État, d'être représenté et de pouvoir ne pas être exposé juridiquement pour des décisions qui ne dépendaient pas d'eux, ça me paraît absolument légitime. Après, comme le disait notre ami, on voit bien qu'une des caractéristiques de la France, et alors là aussi, si on compare aux pays étrangers, c'est que c'est probablement le pays où la crise a été la plus politique depuis la première minute. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui puisse ressembler à une union sacrée. Il y a eu immédiatement des positionnements, parce que c'est la vie politique française qui est faite ainsi, et parce que on est entré dans cette crise avec déjà un niveau très très haut de contestation contre le pouvoir. On est passé sans transition de la crise des Gilets jaunes à la crise des retraites, puis de la crise des retraites à la crise du coronavirus. C'est-à-dire qu'on a enquillé trois crises majeures, chaque fois mettant en cause l'autorité et la responsabilité du pouvoir politique, sans qu'à aucun moment il puisse souffler. Comme là, il ne peut pas refaire les grandes assises nationales dont Pascal Perrineau a été un des acteurs, parce qu'on ne peut pas réunir les gens dans une enceinte, et qu'il est difficile de faire une assemblée des maires de France par Skype, le débat politique a été immédiatement extrêmement virulent dans les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information en continu et dans toute l'expression publique. Et ça fait partie de l'équation française, et ça explique aussi en partie pourquoi, comme vous le disiez tout à l'heure, les d'autres gouvernements qui n'ont pas fait que des exploits extraordinaires sont moins attaqués, moins critiqués, mais parce qu'il y a en effet quelque chose dans la culture française qui met un niveau d'exigence très très haut à l'égard de l'État, et qui ne lui pardonne aucun manquement. Il est même question, je lisais aujourd'hui un texte, de quelqu'un qui disait que l'État devait garantir le droit à la vie. Vous imaginez les perspectives philosophiques vertigineuses que ça ouvre. Alors, Pascal Perrineau, sur la responsabilité des maires, si je la provoque, mais pourquoi aller jusqu'à réfléchir, à dire, on les appelle des responsables politiques, ce sont des responsables locaux. Est-ce qu'il faut les déresponsabiliser dans la mise en application d'une politique de santé publique ? Bien sûr que non, mais la notion de responsabilité a plusieurs visages. Il y a bien sûr la responsabilité politique, on en juge lorsque les maires se représentent ou non lors des élections municipales. Et là, il ne faut pas oublier que dans pas mal de communes, nous sommes entre deux tours. Mais oui. Et que donc la question de la responsabilité politique peut être pour certains maires dans l'air. Alors on verra quand ce second tour sera organisé. Mais surtout, je crois que depuis des années, on assiste à un déplacement de la responsabilité politique vers la responsabilité pénale. C'est ce qu'on appelle la fameuse judiciarisation de la vie politique. On voit bien comment de très nombreux citoyens aujourd'hui n'attendent plus de la responsabilité politique qu'elle fasse son œuvre. Ils placent tout de suite
la responsabilité sur le terrain de la responsabilité judiciaire, de la responsabilité pénale. On intente un procès et n'oublions pas que depuis quelques semaines, pas mal de citoyens ont engagé des procédures, par exemple contre des ministres, oui, pour mise en cause de la vie d'autrui. Et donc les maires se disent, mais attention, nous allons être soumis au même régime. Et si en plus de ça, on nous charge énormément la barque pour la remise en route des écoles, on ne sera pas à la hauteur et donc on ouvre la porte à de multiples plaintes. Et on se met à la place du gouvernement qui prend ses décisions en se disant qu'il y aura peut-être des plaintes aussi contre des ministres, contre le Premier ministre. C'est présent aussi dans la gestion quotidienne, parce que c'est compliqué. Quand on doit gérer des urgences, à se dire est-ce que je pense à l'après ou est-ce que je pense à maintenant. Il y a des décisions qui sont, à mon avis, parce que j'ai consulté des experts, des scientifiques, les bonnes à prendre aujourd'hui. Tout à fait. Enfin, je pense que dans la tête des ministres, ça l'est également. Mais enfin, bon, l'objectif premier quand même pour eux, c'est de faire en sorte de sortir de cette crise cataclysmique et inédite. Je reviens juste sur la responsabilité. Elle n'est quand même pas systématique. Hein. Faut pas se dire, voilà, j'ai ouvert une école, je vais être traîné devant les tribunaux. Faut quand même qu'il y ait une faute caractérisée de l'élu local qui n'aurait pas pris les mesures adéquates, suffisantes au regard du risque. Hein. Ça, voilà, c'est Fauchon de. Voilà, c'est ça. Enfin, faut pas se dire que chaque élu, potentiellement, il peut être traîné. C'est à chaque fois le panneau de basket qu'on a fait réparer et puis malheureusement, il est retombé. Vous voulez dire qu'ils sont protégés aussi par la loi ? Voilà, faut quand même. Voilà, il y a une intention effective de ne pas respecter des consignes. Il faut qu'elles soient caractérisées et que le maire ou l'élu n'ait pas fait preuve de cette prudence, quoi, et qu'il au contraire fait preuve plutôt de négligence. Donc là, faut quand même la caractériser. C'est juste voilà une petite parenthèse pour dire que la responsabilité n'est pas systématiquement engagée. Un parent ou même un professionnel, c'est-à-dire une ASEM, enfin une assistante qui était dans une maternelle et qui a été contaminée, qui est décédée et sa famille porte plainte, il faudra bien prouver qu'il y a un lien entre les mesures qu'a prises l'élu local, leur insuffisance et la surveillance du dossier. Et identifier l'origine de la contamination, ce que sera aussi une autre histoire. Alors on a pris l'habitude de regarder ce qui se passe en Italie. Naturellement, là-bas, le déconfinement a commencé aujourd'hui même, une ouverture prudente. Alors nous avons joint Gherardo Tosso, il gère un hôtel à Venise. Il a rouvert, mais pour l'instant, sans réservation et surtout sans clients. Magali Lacroze et Christophe Roquet. Ici, on a la possibilité à Venise de pouvoir sortir avec nos conjoints et de pouvoir se balader un peu plus librement, de pouvoir prendre un peu d'air, de faire des courses, mais toujours à l'intérieur de la commune de Venise, en fait. On ne peut pas sortir encore de la commune et on ne peut pas sortir, bien sûr, dans les autres régions italiennes. Que pour les hôtels, ça change rien. Venise, tout le monde sait que c'est une ville touristique. 99% de l'économie arrive du tourisme et on a et bien sûr les hôtels sont ouverts parce qu'on n'a jamais reçu l'ordre de fermer nos hôtels mais ils sont vides. On suit un protocole qui est approuvé par un virologue très reconnu ici en Italie. Et donc, les hôtels sont sanifiés selon ce protocole. Pour assurer, à partir de l'arrivée de notre client à l'intérieur de l'hôtel, jusqu'à à sa chambre, tout est suivi. Donc, il y a tout un système. Par exemple, les clés sont données d'une certaine façon. Les clients ne touchent pas au comptoir quand ils arrivent. Donc, ils ne touchent à rien. Les valises, une fois qu'elles sont arrivées à l'hôtel, elles viennent désinfectées par le personnel. Donc, ça, on l'a finalisé justement avant-hier. Donc, tout ça, c'est prêt pour l'accueil et de nos clients. La filière hôtelière et des restaurations à Venise, depuis le début mars, on a comptabilisé qu'on a perdu à peu près un peu plus d'un milliard d'euros. À Venise, à partir du 1er juin, les musées réouvrent.
À partir du 20 juin, on prévoit que la ville soit quasi totalement réouverte. Mais pour réavoir les touristes comme on a l'habitude de voir ici à Venise, à mon avis, pas avant mars 2021. Est-ce que le gouvernement regarde attentivement, je me doute que oui, ce qui se passe en Italie? Est-ce que c'est un modèle, le plan de déconfinement italien, ou est-ce qu'on regarde ce qui se passe plutôt en Allemagne? Le déconfinement a commencé aussi, très doucement. Je pense qu'évidemment, c'est des exemples intéressants et même pour nous, observateurs, c'est très intéressant. Ça fait relativiser de regarder les autres pays. Parce que le déconfinement qui vient de se passer en Italie, moi, j'appellerais pas ça un déconfinement, j'appellerais ça un confinement assoupli. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de sortir, mais avec des attestations. Ils ont l'obligation de porter des masques. Les écoles n'ont pas rouvert. Il y a peu de monde dans les transports. Et ils doivent prouver que les proches auxquels ils vont rendre visite sont bien des proches. Mais est-ce que c'est votre conjoint depuis de longue date? Enfin, il faut faire des attestations sur ses relations personnelles. Et je peux vous dire qu'en Italie, ça ne passe pas du tout, ce genre de mesure. Et du coup, je trouve que quand on regarde notre situation, pour l'instant, c'est presque enviable, la France. Vous voulez dire qu'ils sont plus stricts que nous? Ils ont plus aussi de morts. Ils ont été les premiers touchés. Chaque pays aussi gère avec sa culture, ses politiques, c'est son bilan, c'est son conseil scientifique. Mais je pense qu'en effet, les exemples européens sont majeurs. Et on l'a vu en Allemagne d'ailleurs, quand ils ont commencé à déconfiner et que certaines écoles ont dit non, c'est bon, il y a un cas, on referme l'école. Je crois que c'est ce que le gouvernement veut éviter. Ils le disent à longueur d'interview. On ne veut pas avoir à reconfiner les Français. Et il y a un vrai risque. Donc je pense que ça, c'est le message qu'ils veulent faire passer et que les Français commencent à comprendre. À mon avis, la relâche qui avait été observée est en train de se calmer, je pense. Et pourtant, le Premier ministre aujourd'hui devant le Sénat a expliqué très précisément ce que vous nous dites. C'est-à-dire dit, on va avancer franchir des marches, mais parfois on restera plus longtemps sur une marche et parfois même on pourra faire machine en arrière. Donc le scénario d'un ajustement et même d'un reconfinement n'est pas du tout écarté, Pascal Perrineau. Non, et ça il faut reconnaître que les annonces sont claires depuis le début. Depuis le début, le pouvoir précise, en effet, qu'on pourra opérer des rétropédalages en fonction de l'évolution des principaux critères sanitaires. Et dans tous les pays, d'ailleurs, on voit bien que cette peur d'une phase 2 de l'épidémie remontant est présente dans la tête d'absolument tous les responsables, parce que ça serait terrible. Parce que si l'on crée l'idée qu'après le maximum de la crise sanitaire, on s'attaque à la crise économique et sociale, que l'on crée les conditions d'un bon redémarrage de la demande et de l'offre, et que patatras, tout ça est remis en cause par une phase 2 de l'épidémie, ça sera psychologiquement extrêmement mal vécu, et les opinions publiques, là, réagiront avec certainement pas la docilité qui a été la docilité de la première phase. Claude Veil voulait dire un mot. L'obsession de tout le monde, c'est évidemment la seconde vague. Il ne vous a pas échappé que les scientifiques ne sont pas du tout d'accord entre eux. Certains pensent qu'elle est inéluctable, d'autres pensent qu'elle nous sera épargnée. L'Italie, évidemment, l'exemple italien est extraordinairement précieux parce que depuis le début de cette crise, l'Italie, je dirais d'une certaine façon, fait figure de cheval avancé de l'Europe, puisque c'est en Italie que le confinement a commencé, d'ailleurs une semaine avant nous. C'est l'Italie qui a donné le signal. Je vous rappelle que 8 jours avant que l'Italie ne décide le confinement, personne en Europe n'imaginait même cette chose incroyable qui nous paraissait réservée aux Chinois, condamner les gens à rester enfermés chez eux. L'Italie, ayant pris cette décision, 8 jours après, la France a suivi, et l'essentiel de l'Europe et d'autres pays dans le monde. L'Italie entrait 8 jours plus tôt, sort 8 jours plus tôt. Évidemment, on va regarder ça de très très près. Comment le virus réagit? Comment le virus ressort? Est-ce qu'il redémarre? Comment les structures d'État qui sont si différentes des nôtres? On se plaignait tout à l'heure du centralisme français. En Italie, comme on sait, il y a un État ultra-light. Ça ne les a pas empêchés d'être très, très violemment frappés, avec des différentiels énormes d'une région à l'autre. La Lombardie frappée de plein fouet, la Vénétie pratiquement épargnée, alors que ce sont deux régions contiguës. Donc, on va regarder comment les choses se passent. Ça fait partie de cette équation que le gouvernement gère,
d'aller, comme l'a dit un ministre suisse, je trouve qu'il résumait bien la situation, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire dans le négociation. C'est une bonne formule pour parler de l'Italie. 174 décès en Italie, des chiffres annoncés hier soir. C'est le chiffre le plus bas quand même hein, depuis le début du confinement. Cette question, Emmanuel Soufi, qui nous est posée ce soir, ne serait-il pas aussi utile d'ouvrir les restaurants pour relancer les filières agricoles, la pêche, etc. En a-t-il été question cet après-midi? Non, parce qu'enfin, pour le moment, le gouvernement a quand même bien annoncé que c'était début juin que la décision serait rendue utile, évidemment, parce que c'est toute une filière qui risque de péricliter. Enfin, on parle d'un restaurateur sur deux qui pourrait mettre la clé sous la porte s'il ne reprend pas son activité assez rapidement. Certains font des drives, hein, de la livraison à domicile, mais ça ne suffit pas. Donc là, non, évidemment, avec les professionnels du secteur, ils concertent. Hein, pour le coup, il y a des secteurs dans lesquels il y a quand même de la concertation avec les syndicats et les représentants patronaux. Mais il reste... Non, on attend le 2 juin pour savoir à quelle sauce... Alors, il y a eu quand même quelques annonces, enfin des annonces, des pistes. Les lieux de culte pourraient rouvrir fin mai, le 29 mai, si la situation ne se dégrade pas. A expliqué cet après-midi Édouard Philippe, là aussi, qui a été soumis à une interpellation hein, des responsables religieux. Et il a évoqué une ouverture possible des cinémas après le 2 juin, à confirmer naturellement en fonction de l'état de l'épidémie en France. Nous revenons maintenant à vos questions. Comment interpréter le rejet du plan de déconfinement par le Sénat, Astrid de Villene? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le Sénat est à majorité de droite, son président Gérard Larcher est des Républicains, et du coup, le Sénat s'est opposé, enfin c'est pas vraiment opposé, la plupart des votes sont des abstentions, c'est ce qui s'était aussi passé à l'Assemblée nationale, c'était la règle pour les Républicains, c'est-à-dire, vu ce qui s'est passé sur le masque, on n'a pas envie de vous donner un crédit, de vous dire oui, mais on n'a pas envie non plus de s'opposer parce qu'en effet, c'est nécessaire pour la reprise économique. C'est pour résumer un peu le message, à mon avis, qui est envoyé. Et il y a aussi des états d'âme, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais je voudrais qu'on vienne là-dessus. Je l'expliquais en démutant l'émission et en faisant votre présentation. Il y a aussi des élus de La République En Marche qui disent « on n'est pas prêt et la politique telle qu'elle est menée ne me convient pas ». Il y en a une, en l'occurrence, qui a voté contre. Il y en a une. Elle est médecin. Alors elle, c'est pour un cas vraiment spécifique. Elle s'appelle Martine Vonner. C'est parce qu'elle est favorable à la chloroquine, à ce que les médecins libéraux puissent donner de la chloroquine, comme le demande Philippe Douste-Blazy, Patrick Peloux, le docteur Raoult. Et du coup, elle estime... Les mots sont très forts. Elle dit « je n'ai plus confiance dans ce gouvernement ». Pour gérer la crise sanitaire. Et c'est vrai que quand on appartient à une majorité, de dire qu'on n'a plus confiance, normalement, elle ça veut dire... Elle est assez isolée. L'ensemble de la majorité est quand même derrière le gouvernement. Oui, très clairement. Après, il y a des critiques. Il y en a, par exemple, qui veulent des élus de La République En Marche qui se sont exprimés ce week-end pour dire qu'ils voulaient que les maires soient protégés pénalement. Il y a des voix qui se font entendre, mais globalement, la majorité, en ce moment, soutient. Et c'est tant mieux pour le gouvernement, parce que si, en plus, ils avaient une fronde à l'Assemblée, ça deviendrait ingérable. Allez, pourquoi le gouvernement a-t-il prolongé l'état d'urgence sanitaire? Pourquoi c'était nécessaire? C'est au regard des cas de contamination, des cas de décès aussi. Hein, et puis prolonger l'urgence sanitaire, ça veut dire que vous pouvez aussi contrôler quand même, parce qu'il y a aussi question de liberté publique, contrôler les déplacements de population d'un territoire à l'autre, d'un territoire rouge ou d'un territoire vert, à l'intérieur même d'un territoire, et puis surtout les rassemblements de population. On ne sera pas plus de 10, on ne pourra pas faire des grandes fêtes de déconfinement, parce que ce ne sera pas non, un ça déconfinement, c'est on c'est cuit. Tout de suite, ni des grands apéros dans les parcs, puisque de toute façon, ils resteront fermés. Donc c'est pour cette raison-là, pour garder un levier sur la gestion des rassemblements et des allées venues des Français, on parlait de liberté publique, que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé. Pourquoi le gouvernement a-t-il interdit aux entreprises de tester leurs salariés? Elle est importante, cette question. Qui peut y répondre? Emmanuel Soufi? Oui, alors il y avait certaines entreprises qui avaient commencé à en organiser, donc Veolia notamment, d'avoir des dépistages comme ça du Covid. La question pourquoi les limiter, vous savez très bien que des tests, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc le gouvernement préfère les réserver vraiment dans des cas précis avec un contrôle des utilisations aussi, parce que faire des prélèvements, ça suppose d'être quand même assez un professionnel aguerri et n'importe qui ne peut pas le faire non plus dans une entreprise. Donc il y a la question du manque de tests, donc les réserver aux cas les plus graves et aux cas où il y a des symptômes, fièvre, maux de tête, etc. Et en sachant que ça concernait aussi les tests sérologiques, et les tests sérologiques, il y a quand même un doute sur la validité des tests sérologiques qui diraient si oui ou non on a eu le virus et si oui ou non on est immunisé. Se pose aussi la question de la prise de température hein, dans les entreprises qui pourrait être refusée par certains salariés parce qu'elle n'a pas de légitimité, en tout cas de fondement juridique. Et puis surtout, ça ne veut pas forcément dire que vous avez le coronavirus.
coronavirus. La prise en compte du troisième critère de déconfinement, capacité de test, ne risque-t-elle pas de tout chambouler le 7 mai ? Claude Veil. Pour moi, à ce jour, c'est la question clé. Ouais. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qui vient d'être dit. Les masques, peu ou prou, on les aura. Il y en a dans les grands magasins, ils vont arriver dans les pharmacies, ils arrivent dans le désordre, et ça, ils arrivent ici ou là, mais bon, globalement, les Français se sont débrouillés, ils ont fabriqué, les mamies ont sorti les machines Singer. Les Français seront masqués, là où ils auront besoin d'être masqués, et probablement même, il y aura des sanctions dans les transports en commun pour les gens qui ne se masquent pas. La véritable question, si on veut être à peu près assuré qu'on garde la main sur l'épidémie, c'est-à-dire qu'on est capable de juguler très très vite un redémarrage de la fameuse deuxième vague, c'est de la capacité de réaliser les 700 000 tests hebdomadaires promis et repromis aujourd'hui par Emmanuel Macron et dont beaucoup de spécialistes pensent que c'est un peu mettre la barre très très haut. C'est un peu passer 6,20 m à la perche. Hein. Mais bon, on comprend que l'État, cette semaine, met vraiment les bouchées doubles là-dessus, mobilise toutes les capacités qu'il a dans les laboratoires publics, dans les laboratoires privés, dans les laboratoires vétérinaires pour être capable de réaliser ce qu'on a totalement raté au début parce qu'on était sous-équipés, on n'avait pas les réactifs, on n'avait pas les écouvillons, on n'avait rien du tout. Là, on parle même d'un risque de pénurie des tubes en verre. Parce que tester 700 000 personnes, vous vous rendez compte de la quantité qu'il faut en consommer. Donc ça, c'est vraiment le grand rendez-vous de la sortie, le grand rendez-vous de la sortie de crise, et c'est là-dessus. Je voudrais juste revenir une seconde sur ce qui a été dit tout à l'heure. Ce qui a été dit là sur la judiciarisation, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les nombreuses plaintes qui ont été déjà déposées, il n'y a pratiquement pas de plainte pour atteinte aux libertés, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, etc. Toutes les plaintes portent sur l'insuffisance des mesures. Là, au fond, elles s'abritent derrière le principe de précaution. Et je pense que là, on va véritablement mesurer la puissance de retardement, l'introduction dans la Constitution du principe de précaution, introduit des effets dans la gestion d'une crise comme celle-là qu'on ne pouvait pas soupçonner à l'époque. Puisqu'il faut relancer l'économie, pourquoi ne pas tout rouvrir ? Pascal Perrineau. Oui, en effet, on pourrait se dire, voilà, l'heure est venue, mais l'heure n'est pas venue de tout ouvrir. Certes, il faut relancer la demande, donc il faut que les confinés deviennent à nouveau des consommateurs libres d'aller et de venir. Il faut qu'ils viennent des producteurs, donc qu'ils puissent se rendre, pour ceux qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail, dans leurs usines, dans leurs bureaux. Oui, mais ça ne peut pas se faire au risque d'un redémarrage massif de la courbe des personnes rentrant en soins d'urgence dans les hôpitaux et un redémarrage de la courbe des morts. C'est au fond un peu le débat qu'on avait déjà eu, par exemple, en Grande-Bretagne, quand dans un premier temps, pour ne pas casser la dynamique économique, le Premier ministre avait choisi, en effet, de fonder toute sa stratégie sur ce qu'on appelle le niveau d'immunité collective. Et puis très vite, Boris Johnson s'est aperçu que comme toutes les courbes s'affolaient, eh bien, fallait en venir à une politique de confinement tout à fait classique. Cette question, resterons-nous confinés au-delà du 11 mai si l'épidémie repart ? C'est un scénario qui est envisagé, de rien, en fait, qu'il ne se passe rien le 11 mai. Bien sûr. Depuis le début, c'est très clair ça pour le coup. Même Emmanuel Macron, quand il a répété le 11 mai, il y avait une petite phrase qu'on n'a peut-être pas tous entendue. Peut-être qu'on n'a pas voulu l'entendre, mais il disait « tout ça sera conditionné aux chiffres des hôpitaux, des admissions dans les hôpitaux, des lits de réanimation, et c'est bien normal. » C'est exactement ce que vient de dire Pascal Perrineau, on ne va pas commencer à tout déconfiner si c'est pour avoir le virus qui se propage partout et qu'on, en fait, que tous les efforts qu'on a tous faits collectivement soient annulés. Voilà, on saura jeudi. C'est pour ça aussi que les maires... C'est tard aussi, hein, jeudi. C'est tard. C'est 7, ce que disaient les écoles, les maires et pour les écoles. Ils disent, moi, je ne peux pas organiser une rentrée en quelques jours pendant un week-end. Donc, on saura tous jeudi, j'allais dire, à quelle sauce on va être mangé. Et moi, depuis le début, je me méfie aussi parce que le 7, ils peuvent très bien reprolonger le confinement de plusieurs semaines. Tout est possible, en fait. On nous avait confinés au début pour 2 semaines. Là, ça fait 6 semaines. Bon. Tout est envisageable, je pense. Et même quand on dit le 2 juin, on va pouvoir ouvrir les restaurants. Moi, j'attends le 1er juin ou le 2 juin avant de dire que les restaurants vont rouvrir. Parce que les prévisions scientifiques, certaines, sont quand même très alarmistes pour le mois d'octobre. Peut-on espérer un retour à la vie d'avant sans avoir le vaccin, Claude Veil ? Elle vous manque, la vie d'avant ? La vie d'avant me manque énormément, comme à vous, comme à tous les Français, j'imagine. Je pense que les Français, même, ont plus hâte
de retourner à la vie d'avant que d'expérimenter le monde d'après que tous les utopistes et les rêveurs s'emploient actuellement à inventer. Parce que la vie d'avant, c'est la vie simple, c'est la vie des amis, de la famille qui se réunit, des déjeuners du dimanche autour du poulet petit pois. J'ai perdu votre question. Peut-on espérer un retour à la vie d'avant sans avoir de vaccin ? Le président s'est exprimé sur le vaccin aujourd'hui en disant qu'il faudrait être très, très patient. Ne me demandez pas d'aller sur un terrain où mon incompétence est totale. Si on regarde le passé, les grandes épidémies, certaines ont eu des répliques, comme la grippe dite espagnole qui n'était pas espagnole de 1918. Il y a eu une réplique très brutale et très violente. D'autres, après une première vague, l'épidémie a disparu, s'est évaporée sans qu'on sache très bien pourquoi. Si vous vous rapportez à la grande peste du XIVe siècle, qui a tué quand même un tiers de l'Europe occidentale, beaucoup d'épidémiologistes aujourd'hui pensent qu'en réalité, elle n'a jamais disparu, qu'elle s'est endémisée et qu'elle a duré pendant plusieurs siècles, ressurgissant ici ou là à l'occasion de crises, de crises locales, de conflits, etc. Donc, il est absolument impossible de prévoir comment évolue une épidémie dans l'avenir. Dans le passé, on a déjà du mal, mais dans l'avenir, c'est absolument imprévisible. Eh bien, nous allons rester sur une incertitude pour terminer cette émission, et c'est pas si grave. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée à vous.